Le roi et la reine ne veulent pas que Claire apprenne la musique. Ils disent, la musique, ce n'est pas pour toi. Oui, je m'appelle Brie. Je travaille dans un gîte dans le Queyras. Du coup, tout le monde m'appelle Brigitte. Imaginez un lieu où la magie de Broadway opère chaque soir. L'effervescence d'un spectacle hors catégorie. Un lieu où le bourbon vous est servi à table. Oui, à table. Eh bien, mesdames et messieurs, n'imaginez plus. Et venez prendre un drink au Mandragore. Oui, voilà, mon père, il aurait voulu que je sois une grande pianiste. Ma mère, elle aurait voulu que je sois une grande danseuse. Bah, à cause de toi, j'ai tout raté, voilà. Oh, arrête, le voyage de noces. Quand ma mère, elle allait nous l'offrir, tu l'as refusé. Oh, tu parles d'un voyage de noces ? La vieille, elle t'arrive, elle te dit « Je vous ai pris le vin bleu, le tout compris. Le voyage, l'hébergement, les transports et moi. » Seul, je meurs. Car je ne sais qui je suis moi-même. Et je fuis et m'échappe comme une source perdue. Pourquoi donc dis-tu que tu m'aimes? Pourquoi mens-tu? Moi? Je ne fais rien. Je les regarde. Ils ne me voient pas. Je ne suis pas là. À l'église. Je ne suis plus rien. Je suis tout. Harry, sors mes épines de ma tête. Enlève les bagues de maman avant qu'elle frappe ta tête. Un homme qui danse oublie tout, disait ma mère. Le sale temps et la laideur du dehors. Et la soie de sa robe me susurrait que la solution à tous mes problèmes, je l'avais peut-être enfin trouvée. Mais cette scène, c'est le levier de la frivolité, c'est la puissance du mal, c'est la promesse d'une nirvana. Tu prends ce genre. Bon, facile. Hein, tu vois? Mais qui imiterait Claude François? Alexandrie? Alexandra? C'est une fille de fou!